Bonjour à toutes et à tous. Je suis Tim de Space News. J'ai eu cette conversation sur les Elohim le 25 juillet 2018 à 12h34 avec une jeune fille extraterrestre d'origine pléiadienne qui s'appelle Svarupa Priyananda. Elle complétait le travail que j'avais commencé avec Zen depuis la fin 2016. En me donnant le détail des 9 systèmes stellaires de l'amas des Pléiades. Bien entendu, une partie de l'enregistrement que j'en ai fait est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Les Elohim sont des lignées extraterrestres qui sont arrivées sur Terre pour échapper à la colonisation massive qui prenait place sur leur propre planète. Ils sont humanomorphes, c'est-à-dire qu'ils ressemblent à des terriens. Ils ne devraient donc pas être reliés aux Anunnaki ni aux Néphilim, qui sont d'origine sauroïde. Alors pourquoi certains sont-ils appelés anges déchus? D'où vient cette idée? D'après mes contacts, c'est un mythe chrétien, comme celui des anges, les messagers fidèles à Dieu, qui sont tombés en disgrâce. Les anges déchus, c'est-à-dire qui sont venus du ciel, tombés, venus du ciel sur terre, fait référence ou désigne le groupe spécifique de races lyriennes et pléiadiennes qui sont intervenus ou se sont mêlés aux humains entre 10 000 et l'an 0 avant Jésus-Christ. Mais dans de nombreux textes, ce mélange et prendre les filles des hommes pour épouses fait également référence au génie génétique et non pas au fait de prendre littéralement une femme et de s'accoupler avec elle pour les raisons que je vais vous indiquer dans quelques secondes. Donc, parmi ces lignées qui sont arrivées sur Terre, qui sont les Elohim, il y a les Lyriens, de la constellation de la Lyre. Deuxièmement, les Elohs, E-L-O-H, et les Elohi, H-I, du système stellaire Astérope, 21 Tauri, dans l'amas des Pléiades. Ce système stellaire, outre le Soleil Astérope, comprend 4 planètes appelées Astropée, Sodo-Nzidzi, Natai, et Soku. Les civilisations sur ces planètes sont essentiellement holistiques, holographiques et matriarcales, c'est-à-dire qu'elles sont dirigées par des femmes. Ces lignées sont les Elohs, E-L-O-H, et les Elohi, E-L-O-H-I, des Lyriens de Vega Avalon, humanoïdes. Il y a aussi les Naf, N-A-P-H, qui ressemble au début de Néphilim, les Helios et les Shoshuan. Leur langue est l'Elohimiette et la télépathie verbale. Leur nombre est de 1 970 000 habitants. Ils font partie du Haut Conseil d'Astérope, Astropé, qui est lui-même membre du Haut Conseil d'Alcyone, le conseil principal des Pléiades. Ils ont semé et influencé d'innombrables cultures sur Terre, notamment au Moyen-Orient.